Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, au chapitre 4. Nous allons le lire. Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Seigneur, bénis la lecture de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour le soir que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, j'ai pensé retourner un peu dans le livre de Genèse. Parce que le frère Abraham me dit que tout a commencé en Genèse. Amen. Donc, si nous avons aujourd'hui des rancunes dans le message, c'est parce que le livre de Genèse a été mal compris, ou soit cela a été mal enseigné. Amen. Le frère Bana a répondu aux questions concernant Genèse. Si vous regardez dans le livre du Code, Conduct, Order and Doctrine, le frère Bana, il y a question-réponse sur Genèse. Et le frère Branham a répondu à plusieurs questions. Il a clarifié les choses. Et là-dedans, le frère Branham a parlé de la création, il a parlé de la divinité, il a parlé d'Elohim, il a parlé de tout. Amen. Mais malgré ça, nous avons toujours des problèmes dans le message. Amen. En cela, le frère Branham nous a montré le commencement qui était Dieu avant de devenir Dieu. Le frère Branham a tout montré. Alors, j'ai pensé que repartir dans Genèse, ce sera une bonne chose pour nous aussi. Ou bien pour tout celui qui peut nous suivre sur Internet ou sur YouTube. Donc, dans le livre de Jean, au chapitre 1, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement, c'était la parole. Et pourtant, dans le livre de Genèse, on nous dit aussi qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc là, nous avons deux commencements. Amen. C'est là où les musulmans disent que la Bible s'est contredit. Or, le frère Abraham dit qu'il n'y a aucune contradiction dans la Bible. S'il y a quelque chose de parfait, c'est la Bible. On répare dans Jean au chapitre 1. On dit, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Donc avant qu'il y ait création, il fallait qu'il y ait d'abord la parole. Et le frère nous a dit que la parole, là, c'est le logos. Et c'est la parole qui a appelé toutes choses en existence. Donc, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de luminaire, il n'y a pas de soleil, de lune, des astres, sans la parole. Donc, la parole est la chose capitale. Si les gens pouvaient saisir ça, les miracles, toutes ces choses-là passeront en deuxième position, ou en dernière position même. Donc, Dieu ne pouvait rien produire sans la parole. Et nous, aujourd'hui, nous ne pouvons rien faire sans la parole, parce que tout est produit par la parole. Amen. Amen. Une église sans parole, ça n'existe pas. Le frère Branham dit que si vous voulez commencer une église, commencez avec la parole. Parce que ça, c'est le vrai commencement. Quand tout est basé sur la parole, il y a la victoire. Quand la parole quitte, c'est l'échec. Amen. Voilà pourquoi nous, c'est plus la parole. Nous, le focus, c'est plus dans la parole.
Parce que c'est la parole qui est le commencement de toute chose. Je vais aborder ce livre comme étant une étude biblique. Je vais aller mollo mollo. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, tout ce que nous voyons, c'est la parole. Et le frère Branham nous dit que la parole est une pensée exprimée. Donc Dieu, dans sa pensée, avant même de devenir Dieu, il avait déjà des choses dans sa pensée. Et les choses là devaient être paroles lorsque cela devait être exprimé. Une pensée exprimée. Même nous, nous sommes devenus la parole lorsque nous avons été exprimés. Frère Branham dit que nous étions des attributs. L'attribut, c'est une pensée. Tu peux avoir des projets. Tout ce que tu as comme projet, ce sont des attributs. Ou c'est une pensée. Jusqu'à ce que la pensée sera manifestée, ça sera une parole. Donc le logos était invisible, c'était encore une pensée. En Dieu. Amen. Toutes choses ont été faites par elle, donc ça dit par la parole. Et quand on parle de la parole, les pentecôtistes pensent que c'est la Bible. Au commencement, c'était la parole. La Bible ne dit pas qu'au commencement était la Bible. Là, la Bible n'existe même pas. Parce que la Bible, c'est juste la parole manifestée dans la vie des gens. Voilà pourquoi Paul dit que nous sommes des épîtres écrites que le monde lira. Donc nous sommes les versets de la Bible. Amen. Donc chaque personne est un chapitre. Donc nous sommes la Bible. J'ai toujours dit que le diable n'a pas peur de la Bible en papier, frère. Moi, comme je vous ai toujours dit, dans les films de Dracula, on montre une croix de Dracula, il prend, il bouffe ça. Amen. Si vous prenez ça, ça ne va pas faire fuir le diable. Si vous voyez, vous allez chez le magicien, vous allez trouver ça. Cette Bible. Vous allez chez le pentecôtiste, vous trouvez ça. Et ça, ce n'est pas la parole. Amen. Mais la pensée qui l'accompagne, c'est ça la parole. Le logos. Maintenant, la seule personne qui a le logos qui accompagne cette Bible, c'est le prophète. Voilà pourquoi, en dehors de frère Branham, personne ne peut comprendre Dieu. Les pentecôtistes, eux, c'est juste Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa. Mais nous, c'est Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, c'est en dehors. Le frère Branham dit que les deux du livre est dans le livre. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est éternel. Jean 1, c'est un autre commencement. Et ça, les pentecôtistes, ça n'en connaissent rien. Il fallait maintenant un homme qui vient avec la pensée de Dieu pour valoriser cette Bible. Le frère Branham dit à l'ouverture du sceau, la Bible est devenue un nouveau livre. Pourquoi? Parce que nous ne lisons plus comme les gens du monde. Comme j'ai montré aux enfants ici. Vous savez, le diable, lui, il aime beaucoup les cinq sens. Les yeux. J'ai dit aux enfants que le trône du jugement, ce n'est pas une chaise. Or, je suis parti faire des recherches sur Internet. Le trône du jugement, j'ai mis l'image. J'ai vu beaucoup de pictures sur le trône du jugement, frère. Sauf la réalité. Des chaises en ivoire, des chaises blanches. Frère, regarde les gens qui font une longue queue. Le trône du jugement. D'autre côté, on montre un Dieu avec le visage ne se voit même pas, une grande lumière. Et de l'autre côté, on montre Dieu assis sur les nuages. Frère, le ciel, ce n'est pas les nuages. Parce que la Bible dit qu'au commencement, quand Dieu créa, il créa les eaux. Et Dieu sépara les eaux. Les eaux du ciel et les eaux de la terre. Et l'espace là, frère, la Bible dit, Dieu appela ça ciel. Donc il y a les eaux, il y a les eaux. Entre l'espace des eaux, c'est ça le ciel. Et le ciel là, Dieu n'est pas là.
Nous ne regardons pas les choses comme les gens dehors. Frère, voilà pourquoi tu ne peux pas avoir la victoire en dehors du message. Amen. Donc, le seul ou la seule personne qui nous a apporté la pensée de Dieu, c'est le frère Branham. Je vous dis, frère, au commencement était la parole. Qui va nous expliquer ça? Quand on parle de la parole, les gens pensent que la parole, c'est lorsque vous parlez. Non, la parole, le frère Branham dit que c'est le Logos. Amen. C'est le Logos qui a appelé toutes choses en existence. Amen. Et ce Logos-là, frère Branham dit que la couronne de feu, c'est la plénitude des attributs de Dieu. Amen. Mais avant que Dieu puisse devenir un Logos, il était d'abord qui? Et ça, vous ne le trouverez nulle part ailleurs que dans le message de frère Branham. Amen. 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 Ça, c'est exclusivement les messages. Si vous voyez quelqu'un parler de la création avant le commencement, donc le monsieur-là, il a nos brochures. Amen. J'aime frère Branham. En elle était la vie. En elle était la vie. C'est-à-dire, en dehors de la parole, la vie, il n'y en a pas. Alors, allez chercher la vie dans les églises-là. Dans la parole, il y a la vie. Maintenant, la vie, hein, ce n'est pas celui qui monte dans la voiture, il démarre, il va au boulot. Ça, ce n'est pas la vie. Tu peux être vivant, mais mort. Amen. Et tu peux être mort, mais vivant. Comme le frère Branham. Les gens pensent que le frère Branham est mort. Vous allez à Kentucky, si c'est à Jeffersonville, vous allez trouver sa tombe. William Branham est mort. Mais en réalité, William Branham est vivant. Amen. Puisque beaucoup de gens qui sont dans la rue aujourd'hui, parce que la mort c'est la séparation éternelle avec Dieu. L'âme qui perd, c'est l'âme qui mourra. Amen. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. Dans la parole, c'est-à-dire dans le Logos, il y avait la vie. Donc en dehors du Logos, il y a un point de vie. Oh, le Logos, c'est ce que nous avons reçu à la venue de frère Branham. C'est le Logos, la parole, qui a été photographiée pour nous montrer, pour nous prouver que Dieu était avec cet homme. Et tout celui qui est en dehors du Logos, d'après la Bible, n'a pas la vie. Parce que la vie, c'est dans la parole. En dehors de la parole, ce n'est pas la vie. La parole, ce n'est pas un homme qui se met du haut de la chair et prêche. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Satan aussi prêche, mais il ne prêche pas la parole. Répéter les citations, réciter le verset biblique, ce n'est pas ça la parole. La parole, c'est répéter la pensée de Dieu. Amen. Parce que le Logos, c'est la pensée de Dieu exprimée. Et la pensée-là est venue chez un homme qu'on appelle William Branham. Et répéter ce que Branham a dit, c'est ça répéter la parole. Et en dehors de ce que Branham a dit, c'est Satan. Amen. Dans les messages, c'est difficile. Qu'en est-il dehors? Frère, donne-moi ce thème. Ne perdez pas ton temps d'aller chercher la vie ailleurs. Ça n'existe pas. C'est comme si nous sommes dans un bateau. Tu cherches le pizza. Donc, si le pizza n'est pas dans le bateau, c'est qu'il y en a pas. Si tu sors du bateau, c'est de l'eau. Voilà. Tu ne peux pas trouver la vie en dehors du message, frère. C'est impossible. Le frère Branham dit que Genèse, le chapitre, c'est bon. Voilà pourquoi j'ai pensé que c'est une bonne chose d'étudier ce livre de Genèse. Le frère Branham dit, la question, la vraie réponse est à quoi Jésus veut que nous nous reportions. C'est de nous reporter au commencement. Donc, ça serait dans la Genèse. Parce que le mot Genèse, c'est le chapitre, c'est bon. Pour toutes les questions qu'il y a dans la Bible. Amen. Donc, toutes les questions que nous avons sur la Bible ou sur le message, nous devons répartir dans les livres de Genèse. Parce que si on n'a pas une bonne compréhension de ces livres, on ne comprendra pas les restes du message. Voilà pourquoi vous avez des guerres dans les messages. Les gens ont sauté ça. Aujourd'hui, vous suivez... prédication, les pasteurs du message, la prédication, les devoirs
d'un parent pour ses enfants. Le titre de la prédication. Enfin, ça, c'est le civisme. Ça, c'est le civisme. Si tu veux, ça, il faut organiser des réunions des parents avec les enfants, vous conseiller. Non, mon frère, pas ça. Ça, c'est le civisme. Donc, quand vous montrez ça, les gens ne sauront pas, nous sommes en train de vivre dans quelle heure. Voilà où est la confusion. Il faut toujours se reporter à la semence, voir quelle sorte de semence il y a dans un champ, pour voir ce que vous aurez comme une récolte. Si tu ne connais pas la semence qu'on a plantée, tu vas dans un champ, tu te diras que, ah, j'attends les arachides. Parce que lors de l'ensemencement, toi, tu n'étais pas là. Tu te diras que, bon, les arachides vont commencer à pousser. Quand tu verras les graines, les petites plantes commencent à sortir, tu te diras que, oh, ça c'est les arachides. Mais la personne qui a planté, c'est que lui, il a planté du blé. Lui, il attend du blé parce que c'est lui qui connaît. Alors, pour connaître les récoltes, tu dois d'abord te renseigner auprès de la personne qui a planté. Qu'est-ce que tu as planté? Il te dira que j'ai planté le maïs. Si il te dit ça, attends le maïs, pas les arachides. Oh, toutes les semences ont été plantées dans le jardin de Dieu. C'est là où nous répartons pour voir la semence du serpent. Nous comprenons maintenant qu'on ne peut pas être sauvé si on n'est pas prédestiné. Le livre de Genèse nous parle de la prédestination. Le livre de la Genèse nous parle de toutes les semences. Ça nous parle de Caïn et Abel. Amen. Le livre de Genèse nous montre comment l'homme a chuté. Avant la chute, l'homme était un être qui ne mourait pas. Il était là sans mort, sans maladie, sans tristesse. Mais après la chute, l'homme commençait maintenant à tomber malade. Tout ça, c'est dans les livres de Genèse. Voilà pourquoi le frère dit que les livres de Genèse, c'est la source de tout. La maladie, Genèse. La mort, Genèse. Tout, frère. Amen. 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 Le frère, donc, quelle sorte de semence a été semée? Comme Genèse est le chapitre des semences, nous nous reportons à la Genèse. Jésus nous a ramené, Jésus nous ramène à ces passages de l'Écriture, au commencement. Maintenant, souvenez-vous, ça c'est quand le temps a commencé au début. Avant, c'était l'éternité. Quand nous arrivons dans le livre de Genèse, le temps commence là. Mais, il y a l'éternité. Amen. Maintenant, le problème c'est que beaucoup de gens n'ont pas saisi la notion de l'éternité. Quand on dit, frère, nous sommes dans l'éternité, c'est un problème. Mais je ne sais pas pourquoi ça doit être un problème. Amen. Parce que le mot éternité déjà veut dire ni commencement, ni fin. C'est-à-dire que si nous sommes dans l'éternité, c'est-à-dire qu'on n'est jamais sorti de l'éternité. On a toujours été là. Amen. Parce que c'est le Dieu éternel qui s'est transformé en logos et il a commencé à créer. Donc être éternel ne veut pas dire que nous avons dépassé un stade pour aller à un autre stade. Non. Amen. Il faut vraiment dire. Maintenant, souvenez-vous, c'est quand le temps a commencé au début, avant, c'était l'éternité. Or, notre question là, c'était remarquer si nous nous reportons au commencement. Mais le frère Branham nous explique l'éternité. Le frère Branham dit que l'éternité, c'est un cercle parfait. C'est-à-dire, avant que Dieu puisse venir commencer à créer, il était d'abord un Dieu éternel. Il était Elohim, celui qui existait par lui-même. Il n'était même pas Dieu. Amen. Amen. Le frère Branham dit que l'éternité, c'est un cercle parfait. Donc Dieu n'a ni commencement ni fin. Il n'a pas commencé et il ne finira jamais. C'est-à-dire que si nous aussi,
Nous sommes une partie de lui. On n'a jamais commencé et on ne finira jamais. Donc la manifestation de la chair, ce n'est pas un commencement. Amen. Parce que quand le Logos était là en train de créer, nous, on était déjà là. Maintenant, pour bien comprendre ça, il fallait repartir dans les livres de Genèse. Le frère Branham dit, dans la prédication à la perfection, il dit, brossons un tableau du temps. Voilà un peu un cercle parfait. Pour toujours, et puis, tout à coup, le péché s'introduit et fait une petite, comme dit ma femme, une petite bosse. Donc, quand le péché entre, ça fait ça. Ok? Mais, c'est là, le péché n'a pas brisé le cercle de l'éternité. L'éternité continue, mais le péché a changé la forme. Parce que si nous quittons l'éternité, nous entrons dans l'état, après nous retournons dans l'éternité, c'est que ce n'est pas l'éternité. Parce que l'éternité ne finit pas. Si l'état commence, ça stoppe l'éternité. Si l'état commence et que ça arrête l'éternité, donc ce n'est plus l'éternité. Or l'éternité doit être un cercle parfait. Voilà pourquoi quand nous disons que nous sommes dans l'éternité, nous nous savons de quoi nous parlons. Amen. J'étais dans l'éternité avant ma naissance. Quand je suis venu dans la chair, je suis toujours dans l'éternité. Je suis toujours un être éternel. Amen. Mais cela dépend maintenant de qui vous appelez éternel. Amen. Celui qui est éternel, ce n'est pas ma chair, frère. Mm. Ma chair, c'est le temps. Amen. C'est le boss là. Mm. Parce que quand je suis venu dans le monde, frère Balan dit que quand nous avons pris le corps de chair, nous avons pris la forme la plus basse. Ouais. Parce que nous sommes là. Amen. Mm. L'homme, c'est l'âme. L'homme est là. Maintenant, quand il chute, comme Jésus aussi a chuté dans la chair, nous aussi, c'est pareil. Comme une bosse, frère, ou une petite dépression dans la chaîne. Donc cela prend maintenant l'éternité, se poursuit, mais n'est plus dans son état parfait. Amen. Donc c'est toujours l'éternité, mais ce n'est plus dans son état parfait. Mm. Donc être éternel, ce n'est pas tu deviens X, oh, brrr, tu changes. Éternité. Frère, ils disent que nous sommes dans l'éternité. Une mauvaise compréhension. Amen. Frère, j'aime bien que Dieu le bénisse. Tu m'inspires. Amen. Donc, frère, comme les gens le disent, c'est juste une mauvaise compréhension. Ah, frère, vous dites que vous êtes déjà dans l'éternité. Donc, c'est-à-dire que toi, tu penses que tu es sorti de l'éternité. L'éternité, ce n'est pas une maison où on entre et on sort. Non, l'éternité, c'est la vie éternelle qui est en toi. Amen. Voilà pourquoi nous devons repartir dans les livres de Genèse. Que le frère Balaam nous explique. Oh my. Frère, il dit, voici une petite ouverture qui descend. Ça s'enfonce comme ceci. Yeah, comme ceci. Ça s'étend comme ceci. Il a fallu que Dieu fasse cela à cause de Satan qui avait provoqué la chose. Et c'est descendu. Pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? Parce que Dieu, quand il était Elohim, avant la création, il avait déjà les attributs qu'il voulait manifester. Pour manifester les attributs-là, Dieu maintenant devait créer un élément du temps. Satan est dans le temps. Maintenant, quand on trace là, ça ce sont les enfants de Dieu, ce n'est pas Satan. Satan, c'est un élément du temps. Il a eu un commencement et il aura une fin. Mais quand on parle du temps, le temps, Satan est l'élément du temps, il a commencé au ciel parce que la bataille a commencé au ciel. Vous allez comprendre que même au ciel, il y a le temps. Parce que dans l'enlèvement, quand vous avez 3 ans et demi, le temps compte. 3 ans et demi, vous comptez le temps. Au ciel, mais vous comptez le temps. Le diable aussi a commencé à la bataille au ciel, mais il est un élément du temps. L'éternité, c'est Dieu. Enfin, l'éternité, c'est une vie. La vie éternelle. Ce n'est pas un endroit. Enfin, madame dit que même mon bureau, je ne le gérerai pas comme ça. Les gens ont une mauvaise pensée de la parole. Et en dehors de ce que frère Branham a expliqué, c'est ce que nous appelons la mort. Amen. C'est ce que le diable nous a amené dans les âges de l'église, frère. Amen. Le frère Branham dit ceci. Un espace de temps en vue de la mise à l'épreuve, du perfectionnement et de la purification des perdus.
afin qu'un jour, Dieu, par sa grâce souveraine, puisse faire remonter cette petite bosse. Amen. Et remonte la petite bosse, voilà, ça redevient normal. Et voilà, pour cette petite dépression, dans le cercle parfait, ainsi l'éternité continue toujours, vous voyez. Donc quand le péché finit, oh, en ce moment que nous parlons, hein, le péché, c'est déjà fini. Amen. Vous dites amen. Amen. Ah non, le péché n'existe plus. Bon, ça n'est pas de ce que vous appelez le péché. Hein? On n'est plus le péché. Et vous dites amen. Dans cette salle, le péché n'existe pas. Frère, tous les péchés que j'ai commis, le frère Abraham dit que quand Dieu nous regarde, Dieu dit qu'on n'a jamais commis de péché. Pourquoi? Il a jeté ça dans la mer de l'oubli. Parce que Jésus, quand il est venu, il a payé au double de mes péchés. C'est-à-dire qu'avant même de commettre les péchés, déjà les prix étaient payés. Bon, ça ne veut pas dire que je vais commettre les péchés encore. Mais les péchés, l'histoire du péché a été réglée à la croix. Parce que si vous voyez encore les péchés aujourd'hui, c'est-à-dire que l'œuvre de la croix est ignorée. Si nous croyons réellement que Jésus est mort pour nos péchés, nous devons nous voir comme étant des parfaits. Parce qu'en ce moment, le péché a été aboli, le cercle est redevenu parfait. Voilà pourquoi quand la nuée descend, la nuée là vient de l'éternité. Amen. Quand ça vient, ça ramène l'éternité. Ça veut dire la vie éternelle, ça veut remonter le boss. Amen. Et nous sommes repartis dans le cercle parfait. Tout ce qui est du temps, c'est fini. Parce que pour Dieu, le temps, ce n'est pas la montre. Pour Dieu, le temps, c'est ce qu'il avait déterminé à Daniel. Et quand nous arrivons à la fin de la 70e semaine de Daniel, la pierre de fête vient pour détruire le temps qui était les anges de l'Église. Amen. 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 Et voilà. Maintenant, avant ça, Dieu qui était dans l'éternité, même quand nous sommes entrés dans le temps, Dieu continue toujours à exister. Vous allez voir que Dieu maintenant se transforme en Logos. Il était Elohim. Il change maintenant pour devenir le Logos. Parce qu'il avait en lui les attributs qu'il voulait manifester. Il ne pouvait pas manifester ses attributs s'il demeure Elohim. Il devait d'abord vider l'espace, se condenser dans la colonne de feu pour libérer l'espace, afin d'appeler la création. Amen. 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 Nous en avons parlé mercredi passé. Nous nous sommes représentés Dieu. Quand il était là, Elohim, et nous avons montré qu'il existait par lui-même. Donc, Dieu remplissait tout, tout. C'était Dieu. Sans planète, sans oxygène, sans hydrogène, quoi que ce soit. C'était tout Dieu. Mais en lui, il avait des pensées. Et en ce moment-là, nous, on était déjà là. C'est-à-dire que nous, on avait existé avant même qu'il devienne Dieu. Parce qu'en principe, c'est la création qui l'a rendu Dieu. Merci, Frère Prince. Même si je n'avais pas la cravate, j'allais transpirer. Thank you. Amen. Et là, Elohim, et nous avons montré qu'il existait par lui-même. Mais en lui, il y avait la paternité. C'est comme les enfants que vous voyez, ce sont des pères. Mais c'est d'abord des attributs. Il faut que cela puisse être manifesté. Ce sont des pères. Si tu n'appelles papa, je dirais, oh, moi je ne suis pas papa. Et pourtant, il est déjà potentiellement papa. Mais c'est d'abord sous forme d'attributs. Et Dieu était aussi comme ça. Et les enfants qui vont naître de toi ne sont personne d'autre que toi-même. Voilà pourquoi les enfants de Dieu sont Dieu. Amen. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans être Dieu. Amen. Et Dieu est un esprit. Lorsque toi tu te manifestes, tout Dieu vient maintenant dans son peuple. Parce que son peuple devient le dernier trône. Amen. Et tout ce que Dieu a fait comme travail, il le fait dans son peuple. Le problème, c'est que les yeux. C'est ça, le frère madame dit que les cinq sens n'entreront pas parce que ça nous a causé des embêtements. Amen. Vous allez voir la citation que je vais lire après. Mais en lui, il y avait la paternité. En lui, il y avait différentes qualités. Telles que d'être un sauveur. Il ne peut pas être sauveur s'il n'y a pas de perdu. Donc, ça veut dire que si nous sommes tombés, ce n'est pas de notre faute, c'était dans sa pensée. Quand nous étions en lui, c'est ce qu'on pensait. Que, ah frère, nous allons tomber, après nous allons être élevés. C'était Dieu qui pensait comme ça.
Il avait la pensée être guérisseur. Il fallait qu'il y ait la maladie. Mais Dieu ne peut pas produire la maladie. Il doit produire Satan. Pour que Satan puisse nous amener la maladie. Donc la maladie, ce n'est pas une malédiction. La maladie, en fait, c'est un moyen pour Dieu de manifester son attribut guérisseur. C'est tout. Et vous allez voir que dans tout ça, on n'est pas coupable. On n'est coupable de rien. Donc c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Même, frère Madame dit que quand Jonas est parti là-bas, on envoie Jonas à Tarsis, à Ninive, n'est-ce pas? Lui, il va à Tarsis. La baleine va avaler Jonas pour le vomir à Ninive. Frère Madame dit que les gens ont dit que Jonas était un rétrograde. Frère Madame dit que c'était le plan de Dieu. Frère, parfois, il y a des désobéissances conduites par Dieu. Bizarre. C'est ça le miracle de Dieu, frère. Il y a des désobéissances conduites par Dieu. Dieu a amené Jonas à désobéir. Quand Jonas est entré dans le poisson, frère Madame dit que si Jonas n'avait pas désobéi et être avalé par un poisson, comment est-ce que Jésus allait avoir l'exemple de dire que comme Jonas, Dieu est parfait, amen. Comme Jonas, ainsi le Fils de l'homme. Donc Jonas était dans la volonté parfaite. Frère Madame dit pourquoi? Il dit parce qu'à Ninive, leur Dieu était poisson. Amen. Et quand on a avalé Jonas, quand Jonas est arrivé maintenant, il a été vomi par les poissons. Ils ont dit, oh, Dieu nous a envoyé un prophète. C'est leur concept. Voilà. Si Jonas n'avait pas désobéi, il allait venir à Ninive avec un bateau. Il serait rejeté. Il fallait qu'il désobéisse, qu'il puisse être avalé par les poissons, et que les poissons qui est Dieu puisse venir. Et quand Jonas vient maintenant, il va ouvrir le seau. Il dit que non, le poisson n'est pas Dieu. Amen. Les frères Branham, ils devaient venir par l'église parce que le monde entier savent que c'est que la parole de Dieu c'est l'église. Bon, l'église n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Il devait venir des baptistes, il devait venir des pentecôtistes. Les frères Branham viennent comme ça. Quand les frères Branham viennent, il leur dit la même chose que Jonas. Il dit que Jonas n'avait qu'un seul message. Répentez-vous. La répentance c'était que le poisson n'est pas Dieu. Voilà. J'ai été désobéissant. On m'a avalé, je suis venu ici. Mais en réalité, le Dieu, c'est Elohim, le Seigneur. Et les frères Madame nous a dit, quand il est venu, lui qui était baptiste, quand il vient comme ça, il dit que non, 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 Dieu n'est pas dans l'église. Ouais. Il dit, l'église, c'est l'habitation de Satan. Amen. Et pourtant, il est venu par l'église. Il commence à frapper l'église. Il dit, je ne suis pas venu ici pour commencer une dénomination. Amener les gens à se rattacher à mon assemblée. Quoi? Branham Tabernacle. Frère, non, frère, nous suivons le programme de Branham Tabernacle. Aujourd'hui, il va mettre la bande que Dieu se dit, c'est quoi là? Non, le frère Branham dit, hein, je n'amène pas les gens à se rattacher à mon assemblée. Donc, Branham Tabernacle n'est pas notre équateur. Notre quartier général, c'est la parole. Le frère Branham nous a amené dans la parole. Beaucoup de gens ont déménagé, ils sont partis habiter à Kentucky à côté du frère Joseph. Bon, non. Le frère Joseph ne donne pas les salut. Les salut, ce n'est pas la prédestination. Amen. Frère Joseph, c'est notre précieux frère, nous l'aimons bien. Amen. Et lui-même, il n'invite pas les gens à venir à côté de lui. Amen. Voilà pourquoi nous avons des problèmes. Dieu mal compris. Amen. Parce que nous avons nos compréhensions à nous. On montre aux gens. Que voilà le frère Branham a dit ça, ça. Mais vous refusez. Vous prenez ces masques qu'on vous a dit là-bas. Amen. Amen. Le frère Branham dit, tout ça, c'était Dieu. Et Dieu existait par lui-même. Étant donné qu'il était un sauveur, il n'avait aucun ange avec lui. Il n'avait rien avec lui. Il n'avait que lui, tout seul. Il existait par lui-même. Rien d'autre existait. Et en ce moment-là, frère, rappelez-vous que nous étions déjà là. Donc ça veut dire que nous sommes plus vieux que le soleil. Amen. Nous sommes plus vieux que la lune, que la terre. Amen. On a existé avant la venue d'Adam sur la terre. Amen. Amen. Nous, on avait déjà existé. Parce que quand Adam est apparu sur la terre, nous étions encore en Dieu. Comme une pensée. Ah ouais. Frère, tout ça, il n'y a qu'un frère Branham qui peut nous dire ça. Ouais. Voilà pourquoi dans les messages,
Le message est différent de toutes les religions. Quand vous venez dans les messages, vous sentez une joie. Il y a un frère qui m'a dit, mais vous le frère du message, je ne comprends pas. Quand vous parlez la parole, c'est comme si vous mangez. Vous êtes dans la joie. Qu'est-ce qui vous rend joyeux? Moi, je dis, frère, ma parole, c'est bon. Pourquoi? Parce que c'est une fête. Nous étions là-bas. Quand nous sommes venus ici, nous retrouvons les choses de l'autre côté. Voilà pourquoi quand nous sommes venus ici en Europe, on est ici 20 ans, mais foufou, foumoua, pour nous. Et quand vous regardez les enfants, mais le père n'est plus foufou, mais il n'est pas né au Congo. Lui, il est né ici. Ah, la majorité des enfants là, ne mangent plus le foufou. On les a donné le foufou, mais après, bah, quoi qui chante. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés là-bas. Mais nous sommes nés là-bas. Quand nous sommes venus ici, c'est les choses de notre pays qui nous intéressent. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, les choses qui t'intéressent, c'est les choses de la maison, frère. Amen. Voilà pourquoi, moi, quand je vais dans le panthéotisme, frère, autant me devenir même païen. Amen. Ah oui, autant me. Rester pour moi à la maison. Pas là-bas. Parce que. Il n'y a pas quelque chose qui me donnera la joie. Mais quand je suis dans les messages, quand j'attends ces choses, frère, j'ai envie de sauter, frère. Adam, le premier homme de création inférieur de Dieu. La première création, c'était Dieu lui-même. Amen. Donc, Dieu s'est créé. Comment? Femme dit qu'ils ont demandé comment est-ce que Dieu pouvait se créer. La première ou le commencement de la création de Dieu, c'est Jésus, Logos, par l'homme de Galilée. L'homme de Galilée était une manifestation du commencement de la création de Dieu. Amen. Donc le commencement de la création de Dieu, c'est Dieu, le Logos, qui appela d'autres choses à l'existence. Amen. Gloire à Dieu. La première création, c'était Dieu lui-même. Ensuite, de Dieu est sorti le Logos, qui était le Fils de Dieu. Amen. Donc le Fils de Dieu, ce n'est pas l'homme de Galilée. Le Fils de Dieu, c'est le Logos. Quand il est manifesté, il était déjà le Fils. Et maintenant, le grand miracle, c'est que les gens ne comprennent pas que l'Elohim qui était resté là est venu maintenant, fio, dans le Fils. C'est comme nous sommes des fils de Dieu, mais le Dieu là, qui est notre Créateur, il est venu maintenant, fio, à nous. Amen. Et le monde ne verra plus, mais vous allez voir. Parce que c'est comme ça que Dieu marche. Il faut vraiment dire que Dieu, son trône a toujours été un homme. Amen. Dieu ne cherche que des hommes. Dieu ne cherche pas des chaises. Amen. Amen. Ensuite, dit Logos qui était la parole, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous. Dit Logos est sorti l'homme. Amen. Donc l'homme là, c'est le Logos là en manifestation. C'est pourquoi le frère Branham dit que Dieu, il est en mof et kenos. Il change de forme. Quand ils ont vu Jésus, ils ont dit, oh, mais qui es-tu? Il dit que non. Si vous êtes des enfants d'Abraham, vous allez m'aimer. Parce que votre père Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Amen. Frère Branham dit, qui était celui-là? Il dit, c'était Melchisédek. Amen. Mais c'était Jésus. Il est venu encore en leur parlant que votre père Abraham a vu mon jour, c'est Jésus. Si vous êtes réellement les enfants d'Abraham, vous allez m'aimer. Frère, dans la chair, ils étaient réellement les enfants d'Abraham. Mais dans l'âme, ils étaient les enfants de Satan. Oui. Amen. Voilà pourquoi on parle des Juifs. Ne regardez pas Israël. Oh frère, ne regardez pas Israël. Si les gens étaient les enfants de Satan, malgré qu'ils étaient les enfants de Dieu, les enfants d'Abraham, dans la chair, dans le naturel, mais dans les âmes, ils étaient de Satan. Amen. Les Juifs ou là, les Benjamin Netanyahu, pareil, frère. Parce que s'ils sont réellement les enfants de Dieu, les enfants d'Abraham, ils vont reconnaître le plus que Salomon qui est venu aujourd'hui. Parce qu'il y a des Juifs qui ont reconnu le frère Jésus, le Messie, dans le frère Branham. Si les Juifs là-bas, ils rejettent, ceux-là qui sont à l'ordre, ils rejettent. Frère, être l'enfant d'Abraham, ce n'est pas mettre comment les chapeaux et puis les cheveux qui pendent là. Non, ce n'est pas ça être enfant d'Abraham. Être enfant d'Abraham, c'est reconnaître Elohim dans la chair humaine. Amen. Amen.
Les œuvres produites par Elohim, c'est comme ça qu'on réforme. Les femmes ont dit que les gens ont dit que nous sommes des enfants Abraham. Jésus a dit, si vous étiez des enfants Abraham, vous allez reconnaître. Mais reconnaître. Si réellement vous êtes des enfants Abraham, la sémence d'Abraham, vous allez vous réjouir de ce que je vous dis. Si réellement vous êtes des enfants de Branham, mais vous allez aimer le message de Branham. Amen. Même si vous ne comprenez pas la citation, vous allez dire Amen. Aujourd'hui, on te donne la citation à quelqu'un, il va chercher une autre citation qui dit le contraire. Guerre. Non. Ça, c'est un bon esprit. Quand on donne la citation, vous méditez la citation, vous dites d'abord Amen. Au lieu d'aller chercher une citation qui dit le contraire, frère Branham dit que you get what you expect. Si tu veux dans les messages, tu veux dire que non, le frère Branham n'est pas prophète, frère, il y a des citations. Qui sont dites par frère Branham lui-même. Si tu ne veux pas croire que le frère Branham était prophète, frère, tu auras des citations. Si tu veux dire que Jésus n'est pas venu, il y a des citations. Si tu veux dire que le frère Branham est Dieu, il y a des citations. Mais seulement, si tu es enfant de Branham, tu verras, tu vas te réjouir comme Elohim, Abraham s'est réjoui quand il a vu Elohim là-bas. Mais là, avant la fondation, il était Elohim. Avant la fondation, il était Elohim. Donc, une lumière. Bon, on a représenté là, mais c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas voir. Donc, il était Elohim. C'est lui qui existe seul, qui remplit tout. Dans 1 Timothée, au chapitre 6, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Frère Branham dit que même la colonne de feu, c'était un habit de Dieu. Il dit que Dieu est invisible. Il dit personne ne peut voir Dieu et personne ne le verra. C'est comme ça que moi j'ai dit seulement Amen. Elohim, c'est lui qui existait par lui-même. Esaïe, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi. En fait, vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. C'est-à-dire, avant cette lumière, c'est-à-dire le Logos, Dieu n'existait pas. Il est le seul Dieu, il est unique. Et Dieu, ça veut dire l'objet d'adoration. Frère Branham dit que l'objet d'adoration peut être même cette chair, la voiture, quoi que ce soit. Maintenant, voilà pourquoi les païens ont fabriqué les idoles et ils ont commencé à adorer. Frère Branham dit, c'est parce que Dieu a placé dans l'homme le désir de worship. Et si nous ne connaissons pas l'objet, nous sommes foutus. Voilà pourquoi nous devons répartir dans le livre de Genèse. Voilà pourquoi les autres disent que voilà, Frère Branham est Dieu. Non, le frère Branham ne peut pas être Dieu et mourir. Le corps de frère Branham ne peut pas être Dieu et mourir. Jésus était Dieu, oui, mais pas son corps. Parce que s'il est Dieu, il ne peut pas mourir. Même s'il est ressuscité, Dieu ne meurt pas pour commencer. Ça nous mettra dans la confusion. Et mon corps aussi n'est pas Dieu, parce que je peux mourir. Mais celui qui est à l'intérieur de lui, à l'intérieur de moi, c'est lui qui est le Dieu là. Amen. Et il est toujours dans sa continuité. Le problème, c'est que le livre de Genèse a été mal compris. Donc quand il était d'abord là, nous étions déjà en lui. Amen. Et si tu n'as jamais été en lui, tu ne seras jamais là. Amen. Voilà pourquoi Pierre et Paul dit, ça n'est pas ni de celui qui vient, ni de celui qui court. Amen. Mais c'est celui que Dieu fait grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est la prédestination. Le panneau dit, non frère, pas la grâce de Dieu. Non, la grâce de Dieu, c'est la prédestination. Si tu es prédestiné, c'est comme ça. Comme j'ai toujours dit, le voleur a quoi? Un prédestiné. Toute sa vie, voleur. Montait sur la croix parce qu'il était un voleur. Mais quelques temps après, on lui dit qu'aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Donc, il est en train de parler de même avant Pierre. Pierre, toute sa vie, il était derrière Jésus. Pierre a coupé quelqu'un l'oreille à cause de Jésus. Il dit, Seigneur, je t'aime tellement. Personne ne peut te toucher. Moi, je vais faire le dégât à cause de toi. Le voleur à la croix, quand Jésus prêchait la Bible, il était là en train de voler, frère. Arrivé ce jour-là, parce que c'était un véritable fils d'Abraham. Et Caïphe pensait que c'est lui qui était le fils d'Abraham. Oh, c'était le voleur à la croix qui était le fils d'Abraham. Amen. Frère, c'est un mystère. Il était là. L'autre là se compte de lui dire que, oh,
ton frère, nous sommes coupables. Mais ce monsieur-là n'a rien fait, c'est un innocent. Seigneur, pense à moi quand tu seras au paradis. Jésus le regarde. Papa, là, t'as ma brochure. Il n'a jamais lu les Bibles. Il n'a jamais lu les brochures. Mais il a reconnu. Il a reconnu la parole manifestée. Et amen. Il a reconnu que ce monsieur, il est mort pour nous. C'est un innocent. Et Jésus lui dit, c'est soit tu seras avec moi au paradis. C'est-à-dire, avant même que Marie puisse entrer au paradis, avant que les autres puissent entrer au paradis, le monsieur était déjà dedans. Et les femmes ont dit que quand Jésus est parti, il est parti libérer les gens dans la cinquième dimension. Amen. Donc le monsieur est parti au paradis quelques jours après, une nuit, il est sorti. Puisque quand Jésus sortait là, il ne pouvait plus rester là-bas. Il a fait 3 jours Jésus. Il est parti prêcher aux hommes captifs. Les hommes qui ont été des incrédules au temps de Noé. Jésus est parti. L'enfant madame, c'était son troisième poule. Et le monsieur là, quand il est parti là-bas, il est sorti avec Jésus. Avec les... Et nous qui étions là-bas il y a des années, des années. Frère, la prédestination, c'est lorsque tu as été là. Et le message de Frère Branham, c'est une affaire de prédestination. Amen. Donc, la prédestination, on ne te pousse pas, frère. C'est naturel. C'est comme quand tu mets le métaux ici avec les mains. Il y a une attraction. Sans prédication, pire, ça s'attire. C'est ça le message de Frère Branham. Tu vois, première page, deuxième page, il y a quelque chose de bon ici. Amen. On perd, n'est-ce pas, commettre des erreurs. Oui, mais. Le désir que tu as dans le cœur, là, frère, c'est ça Dieu. Amen. Et comme je l'ai toujours dit, le monsieur qui cherchait le Saint-Esprit. Frère, madame, je cherche le Saint-Esprit. Il va chez le pentecôtiste. Il parle là. Il finit comme ça. Il dit, tu n'as pas le Saint-Esprit. Il va chez le Dewe. Non, tu n'as pas la langue. On lui demande, fais ça. Il parle la langue. Rien. On lui dit, non, il y a un prédicateur là-bas, Branham. Lui, il peut t'aider. Il dit, ah, je vais. Frère Branham, on m'a dit de venir chez toi parce que je cherche le Saint-Esprit. Le frère Branham le regarde, il dit, tu cherches quoi le Saint-Esprit? Frère Branham dit, tu en as déjà. Mais quoi? Dis non. Les désirs qui te poussent à aller chercher le Saint-Esprit, c'est ça même le Saint-Esprit. Amen. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Quand tu es attiré par la parole, c'est-à-dire que tu es toi-même la parole. Amen. Parce que si tu mets, frère, si tu mets la viande, tout le monde aime la viande, tu mets la viande ici, les chèvres passent, les chèvres vont passer même loin, parce que ce n'est pas son régime. Mais si tu mets les chiens, même si tu l'empêches, il sera là, parce que c'est son désir. Donc c'est-à-dire que tu aimes la parole. Voilà pourquoi tu aimes la parole. Même si tu es dans l'erreur, le Dieu ne vient pas te dire que non, oh, mais toi tu es comme ça. Tu as... Non, 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 frère, dit que Dieu ne sauve qu'une seule fois. Amen. Les désirs que tu avais là au commencement, quand tu avais rencontré le message, frère, c'est ça la parole de toi. Amen. Tu ne peux pas être perdu jamais, frère. Amen. Comment? Dieu ne peut pas perdre ses enfants. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, souviens-toi de ton premier amour. Amen. Regarde la flamme qu'il y a quand vous rencontrez le message, frère. Il y a des soeurs qui ont été devenues têtues. Frère, têtues à la famille. La mère dit, toi, si tu continues à aller dans cette église-là, on va te chasser de cette maison. Je dis, maman, tu peux me chasser. Regarde, il y a beaucoup de témoignages. Ouais. Le frère, il faut qu'il ait été chassé de sa maison. Il est encore petit garçon, 16 ans. Il dit, hey, lui, maintenant, on va prendre un moment. Si tu continues comme ça, on va te chasser de la maison. Il dit, non, vous pouvez me chasser. On l'a chassé, il a grandi avec le frère. Mais Dieu l'a béni aujourd'hui. Regarde ce qu'il est devenu. Et toute la famille est derrière lui. Et tout le monde a cru. Amen. Si quelqu'un ne peut pas croire le message parce qu'on lui a empêché par la famille, c'est qu'il n'y a rien fait. C'est qu'il n'y a rien. Amen. Le mystère de la prédestination. Alors, Elohim était éternel. Donc celui qui n'a ni commencement, ni fin. Il était invisible, caché aux yeux physiques. Il était omnipotent, c'est-à-dire tout puissant. Il était omniscient, qui connaît tout. Le frère Branham dit qu'il est omniscient, il est omniprésent par son omniscience. Il connaît tout
C'est la chose qui les rend omniprésents. Parce que s'il est omniprésent, il va remplir même toutes les fentes. Il sera rempli si on ne dira plus, nous cherchons Dieu. Frère Barbara dit que Dieu c'est un être. Amen. Amen. Il est infini, c'est-à-dire illimité. Donc il n'a ni commencement ni fin. Et si vous étiez en lui, vous avez toutes ces caractéristiques qui existent par lui-même. Il n'a jamais été créé. Mais le Logos a été créé. Donc le Logos c'est aussi une habitation de Dieu. Le véritable Dieu, c'est celui qui existait là-bas. Celui qui ne connaît pas la création. C'est lui qui a créé. Mais dans cet état-là, il ne pouvait pas créer. Il devait d'abord devenir le Logos. C'est ce qu'on appelle la parole. Après, il a commencé à créer. La question m'a été posée hier par un théologien qui a assisté aux réunions. Ou écoutait la bande. Il disait, une question, il disait, dans ce cas-là, Dieu est-il omniprésent? Dans ce cas-là, il disait, il pourrait être partout. Écoutez ce que Frère Valentin dit. J'ai dit, il n'est pas omniprésent au sens propre du mot omniprésent. Or, aujourd'hui, tout le monde sait que Dieu est omniprésent, c'est-à-dire Dieu est partout. Les femmes ont dit, il ne peut pas être un être tout en étant omniprésent. S'il est omniprésent, pourquoi prierait-on pour recevoir le Saint-Esprit? S'il est omniprésent, il remplit chaque fente, chaque coin, chaque fissure, chaque cellule, chaque fibre et tout le reste. J'ai dit, pourquoi a-t-il cherché Moïse à la fin? S'il est omniprésent, pourquoi a-t-il parcouru le jardin d'Éden dans tous les sens en criant « Adam, Adam, où es-tu ?» Il est omniprésent, omniscient, omniprésent par son omniscience. Amen. Voilà, même Jésus. Bon, frère, maintenant, si nous sommes Dieu, nous sommes Dieu, c'est-à-dire nous aussi nous sommes omniscients. C'est-à-dire que nous connaissons tout. Ah, frère, Amen. Frère, toi tu connais tout. Frère, la Bible dit que je suis Dieu, c'est-à-dire que je suis aussi omniscient. Amen. Même Jésus était omniscient. Amen. Dites Amen. Amen. Mais à un certain moment, Jésus ne connaissait pas les septième sceaux. Dites-nous les jours de ta venue, dit que ni moi, ni les anges, les pères, sœurs. Les pères, là, c'est la lumière. C'est lui qui détenait les secrets. Je suis l'homme. Les fils de Dieu ne connaissaient pas les secrets. Je suis dans le même cas. Moi, en tant que fils, je ne connais pas. Mais, Elohim, n'est-ce pas? Celui qui a ni commencement ni fin, lui, il connaît tout. Il est omniscient. Parce que je suis une partie de lui. J'ai dit, il n'est pas omniscient au sens propre du mot. Omniprésent. Il ne peut pas être un être tout en étant omniprésent. S'il est omniprésent, pourquoi non, ça j'ai déjà dit ça. Il est omniprésent du fait qu'il est omniscient. Il sait tout parce qu'il est infini. Il est infini, c'est ce qui fait qu'il est omniprésent. Comme il est omniprésent, alors, comme il est infini, alors il est dans les cieux. Il habite dans un lieu puisqu'il est un être. Mais comme il est infini, alors il connaît toutes choses. Chaque fois qu'un boucheron clique les yeux, il le sait. Il connaît chaque bourdon où il va dans les rayons pour les chercher, pour chercher son miel. Il connaît chaque moineau qui est perché dans l'arbre. Il connaît chaque pensée qu'il y a dans votre esprit. Parce qu'il est infini et qu'il est omniscient. C'est ce qu'on avait fait, frère. L'omniscient de Dieu a été manifesté à le frère. Il dit à l'homme ce qu'il est. Et il lui donne même son adresse. Une femme qui habitait en Italie. Aux États-Unis, le frère Branham a donné son adresse en Italie. Amen. C'est-à-dire qu'il est non seulement infini, mais il est omniscient. Il sait tout. Seulement, il est un être. Dieu est un être et c'est de cet être que ces choses se sont mises à émaner. Donc, l'être là, c'est Elohim avant de devenir le Logos. C'est au travers de lui que toute chose a commencé. Amen. Amen. Mais dans Genèse 2, quand il a fait l'homme, il a dit, je suis. YAHU. JUVIH. Je ne sais pas comment lire ça. Jéhovah. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je suis celui par qui tout existe. J'ai créé quelque chose à partir de moi-même pour en faire mon fils ou un de mes petits. Temporairement, de façon amateur, gloire. Pourquoi? Il a donné à l'homme. Jéhovah veut dire qu'il a donné à l'homme d'être un Dieu amateur. En effet, il est Dieu le Père et il a fait de l'homme un Dieu amateur.
Il n'existe donc plus par lui-même. Maintenant, quand il crée l'homme maintenant, parce que Jéhovah veut dire Dieu et sa famille. Donc il quitte l'état Elohim. Amen. Il crée maintenant les logos. Il crée les anges. Il crée maintenant Adam, qui était son fils. Il devient maintenant Dieu et sa famille. Et là, il devient maintenant Jéhovah. Et il quitte maintenant Elohim pour devenir Jéhovah. Mais Elohim, c'est celui qui existe par lui-même. Amen. Amen. Il dit, il n'existe plus par le don, plus par lui-même. Il existe avec sa famille. Elle a Elohim. Bon, maintenant il est Jéhovah. Jéhovah qui veut dire celui qui existe avec sa famille. Donc quand il a eu la famille, frère madame dit que quand j'étais seul, Billy Paul était en moi. Mais je ne pouvais pas communier avec lui. Mais la seule façon pour que je puisse communier avec Billy Paul, il devait naître. Et le frère madame dit maintenant, nous aussi, nous étions des attributs. Une pensée en Dieu. Amen. Et après, Dieu nous a manifesté. Quand Dieu nous a manifesté, c'était pour avoir la communion avec lui. Donc la vraie communion, c'est pourquoi vous voyez, l'homme, c'est naturel. L'homme aime beaucoup ses enfants. L'homme peut même se donner. Une maman, comme le frère dit, une maman là est entrée dans le feu. Parce que l'enfant était dans la maison. La maison brûlait, l'enfant était dedans. La maman a pris une serviette trempée dans l'eau. La maman entre dans la maison pour prendre l'enfant. Elle enveloppe l'enfant, elle sort avec l'enfant, elle-même elle est brûlée, mais l'enfant est protégé. Frère madame dit c'est quoi? Il dit c'est l'amour d'une mère. Pourquoi? Parce que cet enfant-là, c'est elle manifestée sous notre forme. Amen. Voilà pourquoi nous, Dieu ne peut pas nous aimer par rapport à ce que nous avons fait. Il nous aime parce que nous venons de lui. Amen. C'est ça le mystère de la prédestination. Donc nous ne commençons pas quand nous sommes venus ici sur la terre. Nous avons déjà commencé en Dieu. Et quand nous venons reconnaître ce que nous étions déjà. Amen. Et l'amour de cette maman-là a fait qu'elle puisse entrer. Enfin, si c'était l'enfant de quelqu'un d'autre, la maman n'allait pas entrer. Parce que ce n'est pas toutes les mamans qui sont entrées là-bas. Personne ne peut s'associer de tes enfants plus que toi-même. Amen. Alors si tu vois un papa abandonner ses enfants, il y a quelque chose qui lui va. Parce que c'est un amour naturel, même un chien. Frère madame dit, même une poule qui est inoffensive. La poule peut même enseigner. Si vous voyez la poule, hein, la poule, c'est quand la poule arrive, là, tu fais comme ça. La poule va suivre, va fouiller. Mais si la poule a des poussins, essaie de t'approcher de la poule. Enfin, même si tu es un lion, alors la poule oublie ta nature. Parce que l'amour est au-devant de tout. La poule va faire par tous les moyens pour défendre ses poussins. Et Dieu aussi est pareil. Dieu est pareil. Dieu fait par tous les moyens pour défendre ses enfants. Frère, parfois, on a peur des événements pour rien. Franchement, pour rien. Parce que quand nous étions dans Elohim, nous étions en train de créer. Et Elohim, il dit, ok, j'ai les attributs en moi, je vais les manifester. C'est-à-dire que je vais créer Satan pour que Satan puisse amener la chute. Quand Satan était créé, frère, nous étions dans Elohim. Donc moi, je suis le créateur de Satan. Mais pourquoi tu as peur de ta créature, frère? Si tu es devant le diable, dis, hé, toi, je suis ton créateur, à quel frère madame dit que le diable a aussi la foi. Quand il s'approche de vous, il a la foi. Il veut tout ce qu'il a à faire, frère madame dit que c'est un bluffeur. Ouais. Il n'a aucune puissance, frère. Mais il a la foi que s'il vient vous faire peur, vous allez avoir peur. Et il vient comme ça, il exerce sa foi. Ça marche. Et pourtant, toi, tu es son créateur. C'est comme si tu fabriques ta statue à toi. Après, tu commences à fouiller. Tu commences à avoir peur de cette statue. Oh, toi-même, tu prends de l'argile, tu fabriques la statue comme ça. Et puis, on t'amène la statue, on fait. Mais tu as peur de quoi? C'est toi le créateur de la statue. Et le diable, frère, est comme ça. Frère, madame dit que le diable est la créature de Dieu. Et quand le diable a été créé, nous étions en Dieu. C'est nous qui avons façonné le diable pour qu'il puisse amener la chute.
Et nous, aujourd'hui, nous sommes des vainqueurs parce que nous sommes Christ. Amen. Donc, nous ne sommes pas en train de combattre pour la victoire. Nous sommes nous-mêmes la victoire. Et le diable essaie simplement de bluffer pour vous dire que non, vous n'êtes rien. Frère Barat dit que le diable vous dit que vous êtes une poule mouillée. Dis-lui que tu es un menteur. Amen. Enfin, si Dieu me dit, si la parole de Dieu me dit que je suis Dieu, et le diable me dit que je suis l'homme, je suis un homme, mais je veux croire qui? Moi, je crois la parole. Parce que la parole me dit la vérité. Et en ce moment-là, frère, tu peux te tenir devant tout. C'est pourquoi le frère Barat pouvait se tenir devant n'importe quel malade. Frère Barat dit que ce n'est pas mon problème. Si je prie pour toi, tu meurs. Il dit, demain, je vais aller prier pour quelqu'un d'autre. C'est que c'était la volonté de Dieu. Il dit, si les gens doivent arrêter de prier pour le malade, parce qu'on a prié, quelqu'un est mort, il dit, alors les hôpitaux vont être fermés. Allez au cimetière là-bas, combien de gens sont morts dans les hôpitaux? Est-ce que les médecins vont arrêter de traiter? Mais non. Donc, c'est-à-dire que, frère Madame dit que moi je vais aller prier, je fais mon devoir. Le reste, c'est ton problème. Et la foi, c'est toi-même. Amen. Amen. Je vais m'arrêter bientôt. Avant d'arriver à la création de l'homme. Les attributs d'Elohim qui devaient être manifestés. Elohim, c'est-à-dire qu'il y avait une pensée. La parole est une pensée exprimée. Et Elohim, maintenant, en lui, il était Dieu. Il était le Père. Il était sauveur. Il était guérisseur. Et il était sacrificateur. Il était roi et il était juge. Maintenant, tous ces attributs ici, amen, les derniers qui se manifestent, c'est le juge. Quand il arrive maintenant dans son attribut juge, c'est là où il finit tout. Or, tout ceci était là. Quand il était là, nous aussi nous étions là. Amen. Donc quand il est devenu tout ça, nous aussi nous sommes là. C'est-à-dire que toi, tu ne cherches pas la guérison parce que tu es toi-même une guérison. Tu es toi-même le distributeur de la puissance. Les sacrificateurs, pour qu'il soit sacrificateur, il fallait qu'il y ait chute. Et c'est lui-même qui a créé le diable pour qu'il puisse manifester. C'est ça le diable, tout ceci ne sera pas manifesté. Il fallait que tout ceci puisse être manifesté pour que tous ces attributs-là, le diable puisse être là pour que ceci puisse être manifesté. Sans ça, Dieu ne serait pas ce qu'il est devenu. Donc, alors, le diable maintenant est venu dans un but. Voilà pourquoi quelqu'un m'a dit, mes frères, il dit, mais je ne comprends pas. Vous priez, mais comment est-ce que la Bible dit que le diable s'est promené et il voit Satan, il parle avec Satan? Amen. Frère, vous me dire que le diable est sous contrôle de Dieu. Donc le diable ne peut pas vous toucher s'il n'a pas la permission de Dieu. Oh, Dieu est à vous. Est-ce que vous pouvez lui donner la permission de vous toucher? Non. Voilà pourquoi lui, il est aussi courageux, comme je l'ai dit. Il a la foi. Il peut aussi s'improviser. Mais toi, quand tu connais les secrets, tu vas les gronder. Frère, on dit qu'on ne négocie pas avec le diable, on les gronde. C'est comme si un enfant, comme un petit enfant de 7 ans est venu dans ma maison, un petit blanc là. Moi je viens dans cette maison là, vous tous vous sautez. Et toi tu dis, sorry, tu sors, mais tu as peur de. C'est un petit enfant de 7 ans, tu peux le pointer. C'est ça le diable. Le diable vient là s'improviser pour vous faire peur. Non, c'est toi qui l'as créé, toi tu l'as amené là parce que tu voulais manifester tout ça. Amen. Le commencement de la création de Dieu, comme je l'ai cité Jésus, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole fut faite chair, Jean 1:14. Donc quand Jésus est venu, il était la continuité, n'est-ce pas, de ce logos-là. La parole commence quand cela est exprimé par le logos, la pensée de Dieu est devenue la parole, c'est-à-dire en Jésus. Donc Elohim qui change, qui devient la parole, manifestée dans un homme. Mais l'homme qui était manifesté, ce n'était pas encore Jésus, mais c'était Melchisédek à l'époque. Maintenant, voici ce qui est arrivé. Oh, excusez-moi.
Quand j'aborde ces choses, vraiment, j'aime beaucoup ça. Vous voyez, le Logos est cette grande source. Cette grande source, l'esprit qui n'a ni commencement ni fin. Ce grand esprit a commencé à prendre une forme par une création. Et le Logos, qui en est sorti, était le Fils de Dieu. C'était la seule forme visible qu'avait l'esprit. Et c'était une théophanie, ce qui signifie un corps. Et ce corps ressemblait à un homme. Maintenant, quand on dit qu'on sera semblable à lui, être semblable à lui, ce n'est pas avec ce corps. Lui-même, le corps qu'il avait créé, c'était une théophanie. Donc, si nous sommes semblables à lui, nous devons être une théophanie. Et le frère Manon dit que quand Dieu créa la personne, l'homme qu'il a créé avait la forme d'un nuage blanc. Amen. Et la forme d'un nuage blanc, c'était ça Dieu. Et si toi, tu es comme lui, tu dois aussi être une nuée. En réalité, nous ne sommes pas ce que c'est ça. Nous sommes une nuée. Amen. C'est la forme que Dieu avait donnée à l'homme. Amen. Amen. Et la théophanie était l'expression de l'image de Dieu invisible. En ce moment-là, maintenant, Dieu s'est manifesté. Et on pouvait voir Dieu dans les logos. Mais avant ça, Dieu était un Dieu invisible. On ne pouvait pas le voir ni le toucher. Mais quand il crée le logos, il est devenu visible. Et le même logos maintenant s'est transformé en forme humaine. Et c'est ce qu'on a appelé Melchisedec. Et c'est celui-là maintenant à qui Elohim est venu habiter. Et il est parti voir, n'est-ce pas, Moïse. Frère Branham dit que Moïse avait vu son dos. Quand Moïse regarde, frère, Moïse dit qu'il avait la forme d'un homme. C'était Dieu dans son corps de théophanie. Or, si Dieu est comme ça, nous aussi, nous sommes une théophanie. La chair, là, ce n'est pas nous. Amen. Donc, ce qui existait là-bas, ce n'est pas la chair. C'était une théophanie, ce que Moïse avait vu. Et celui qui vient maintenant, s'est manifesté dans la chair. Au temps de Jésus-Christ, c'était un homme. Il est devenu un homme, pourquoi? Pour amener nos péchés. Et il est mort pour nous sauver. Mais ce n'est pas la forme de Dieu. La forme de Dieu, c'est ce qu'il a toujours été là-bas. Amen. Amen. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Prochainement, je vais commencer par la création. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Et tout ce que Dieu appelle comme mort et des choses comme ça. Nous avons mal compris Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des problèmes dans les messages. Raison pour laquelle j'ai pensé retourner un peu dans le livre de Genèse et aller moulo pour une nette compréhension. Que le Seigneur vous bénisse.
like heaven to me. For many people, Seigneur, nous étions là, oh Dieu, comme attribut, comme pensée. Seigneur, ton prophète est venu nous dire que nous n'avions pas commencé quand nous sommes venus dans la chair, mais nous avions déjà existé, Seigneur. Nous marchons, Seigneur, sur cette terre, Seigneur, en sachant que nous sommes des êtres éternels. Seigneur, que rien du temps peut nous embrouiller, Seigneur. Merci, Seigneur, oh Dieu, de nous avoir envoyé ces prophètes, Seigneur. Qui est celui qui peut nous enseigner ces choses, Seigneur, si ce n'est, tu n'étais pas en lui? Un primérien qui n'a jamais étudié, Seigneur, mais tu l'as pris, Seigneur, tu l'as utilisé. Aujourd'hui, Seigneur, nous marchons comme des vainqueurs. Même si, Seigneur, nous avons des erreurs, Seigneur, nous ne regardons pas à ça. Car, Seigneur, tu as dit, Adam n'est pas tombé dans son âme, il est tombé dans sa chair. Aujourd'hui, Seigneur, une erreur qui peut être commise, c'est dans la chair, mais pas dans l'âme. Dans l'âme, Seigneur, nous avons été sauvés dès avant la fondation du monde. Voilà notre assurance. Merci infiniment, Seigneur. Merci pour ce moment merveilleux. Nous abandonnons entre tes saintes mains pendant que nous allons retourner chez nous. Laisse que tu puisses nous accompagner. Que la gloire et la louange te soient rendues au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Allez dans la paix du Seigneur.